Action prophétique, il fallait que je vous dise quelque chose d'abord. Ça fait depuis, je crois, 11 heures que je suis de vous. C'est-à-dire que je suis. Voilà. Donc, c'est moi qui suis l'acteur. Je suis beaucoup fatigué. I'm very tired. J'ai chanté, dansé, prêché et tout. Que la gloire revienne à Dieu. Écoutez bien mon message. C'est un dernier message. The last message. Et regardez ce que Jésus va dire. Look at what Jesus said. Au fils d'Israël. Il dit maintenant craignez l'Éternel. C'est Jésus. Jésus le chapitre 24, le verset 14. Chapter 24. Verset 14 jusqu'au verset 15. Jésus chapitre 24, le verset 14, verset 15. Il dit maintenant craignez l'Éternel. Ce que vous avez devez maintenant faire, c'est de craindre l'Éternel. Jésus s'adressait au peuple d'Israël. Lorsque Israël allait entrer en possession de Canaan. When they went to take back Canaan. Je viens de vous conduire à Canaan. Dis amen. Vous allez bientôt voir vos ennemis tomber. Écoutez-moi, écoutez bien ce message. Listen to this message. Il dit craignez l'Éternel. Fear the God. Servez-le avec intégrité et fidélité. Serve him with faithfulness. C'est-à-dire on doit craindre l'Éternel avec fidélité, avec intégrité. De servir avec intégrité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Ça dit maintenant là, les dieux de vos parents, parce que le dieu de vos parents, ce n'est pas le dieu d'Israël. Le dieu de vos parents, c'est du fétichisme, c'est le maraboutage, c'est l'adoration des idoles, des bois, des rivières. Il dit, faites disparaître les dieux de vos pères. Vous ne devez plus adorer les rivières. Vous ne devez plus adorer les forêts, la forêt classée, les forêts sacrées, tout ça. Désormais, vous devez craindre l'Éternel. On dit amen. Amen. Vous devez servir l'Éternel. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui ont servi vos pères au-delà du fleuve, et les dieux des Amoriens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. My house and I will serve the Eternal. Il était clair avec le peuple d'Israël. It was really clear with Israel. C'est Dieu qui a lieu dans ce village. God is in action in this village. Alors vous devez le servir. You have to serve. Parce que le Dieu de vos parents ne vous a pas apporté la bénédiction. Your parents, God, didn't c'était la désolation totale dans ce village. La mort, la sorcellerie, death, witchcraft, les blocages. Every sort of le nouvel Dieu que vous devez God adorer, the new God you have il to est unique. Is the only one. C'est le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut l'acclamer? It's the